Côte d'Ivoire, ça ne va pas chez le colonel Issiaka Ouattaro alias Ouattaro. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. L'ex-chef rebelle Issiaka Ouattara alias Ouattaro est très mal en point actuellement. Gravement malade depuis plusieurs jours, il a été évacué aux États-Unis. Ça ne va pas chez le colonel Issiaka Ouattara alias Ouattaro. L'ex-commandant de Boaké Issiaka Ouattara dit Ouattaro a été l'un des hommes forts de la rébellion de Guillaume Soro orchestrée en 2002 contre le régime du président Laurent Gbagbo. Après l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara en 2011 à la suite d'une crise post-électorale, le 20 soldat a été promu colonel et commandant de la puissante garde républicaine avant d'être remplacé plusieurs mois plus tard. Depuis plusieurs jours, le colonel Issiaka Ouattara souffre d'un mal qui n'a pas encore été révélé au grand public. Une maladie qui, selon le média Pichainter.com, a amaigri en un temps record les chefs rebelles. Vu la gravité de ce mal, pernicieux, le colonel Ouattaro a été évacué d'urgence jeudi à Rabat au Maroc afin d'y subir des soins intensifs, rapporte le média, qui a ajouté que le départ à bord d'un jet privé médicalisé a été validé par les plus hautes autorités de l'État ivoirien. Après avoir passé quelques heures dans la capitale marocaine sans que l'état de santé du colonel Ouattaro ne s'améliore, les médecins ont conseillé son évacuation aux États-Unis. Depuis samedi, donc, Saa Belele, comme on le surnomme, est dans un hôpital américain. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile, suscitant ainsi de nombreuses spéculations. Chose curieuse, le ministère ivoirien de la Défense, ministère de tutelle du colonel Ouattaro, ne s'est pas encore prononcé sur cette affaire.